Nouveau trouble en Algérie. Cette fois, c'est en banlieue d'Alger que les affrontements ont eu lieu. Des bandes de jeunes sont venues protester contre la destruction prochaine d'un bidonville et se sont heurtées aux forces de l'ordre. Au moins une quarantaine de personnes ont été blessées lors de ces heurts. La police a utilisé des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes, gaz qui seraient responsables de la mort d'un bébé de 6 mois, selon un témoignage sur place. Les faits se sont déroulés non loin de Bab El Oued, point de départ d'une contestation populaire latente en Algérie. La presse algérienne fait état en ce moment de rumeurs sur une future révision de la Constitution, une mesure qui serait de nature à calmer le mécontentement populaire.